Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, je reçois une personne qui se dit clairvoyant. Alors, est-ce impossible ou pas? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Bonne écoute. Vous avez vécu des choses paranormales et vous êtes devenu, grâce à ça, je crois, clairvoyant. En tout cas, c'est ce qu'on dit de moi. C'est ce qu'on dit de moi. Je ne prétends pas être qui que ce soit, mais... Dû à cette expérience-là paranormale chez moi, du jour au lendemain, mais aussi à mon papa. Mmh. Tu peux raconter cette histoire À la base, je suis adopté. D'accord. Je viens d'Hongrie. Puis il y a eu cette famille dans un certain village ici, dans le Hainaut, qui sont mes parents adoptifs, qui ne savaient pas avoir d'enfants, tout simplement, scientifiquement. C'était comme ça. Madame, monsieur ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pour finir. Ils ont fait avec mes parents, adoptifs. Ils sont partis en voyage un jour à Rome. Ils étaient dans une église. Je vous fais un petit résumé. Hein. Mm-hmm. Après, si on veut détailler, bon. Mais à l'église, et quelques temps avant l'église surtout, mon papa, il avait vu une soucoupe volante. Il a vu un ovni, donc. Un ovni, oui. Mais pas l'ovni matériel. C'est plutôt, comme moi j'appelle plutôt la spiritualité, la personne qu'elle voit. Donc c'est la boule énergie qui vient en silence devant et qui part ainsi de, à tout moment. Généralement ce sont des sphères d'après ce que d'autres témoignages. Mais ça on peut en discuter, on peut en débattre après. Mais il y a plusieurs catégories de personnes aussi quand ils voient plutôt le, moi j'appelle ça le matériel, au lieu de la lumière. C'est pas du tout les boulons, quoi, comme on dit. Non, c'était vraiment, comme tous ces témoignages, depuis l'aube des siècles, qu'on entend, cette boule énergie, cette sphère qui arrive un peu dorée, en silence, et à tout moment, qui démarre ainsi à tout moment, ça c'était mon papa. Forcément, personne ne l'a cru dans son entourage. Comme souvent. Et puis, ils vont à Rome, ils espèrent, ils voyagent, vu qu'on a pris l'inévitable qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et un jour, dans une bête église, c'était à Rome, mon papa, il entend une voix, il a dit « Continue, tu vas avoir ton enfant. Sors de l'église et regarde. » Et il est sorti, il avait des journaux, et on voyait les enfants de Tchernobyl, tout ça, les catastrophes avec Ceausescu. Il y avait plein d'enfants à adopter. Et de là... Et pourtant, c'était en italien. Ah bon? Maman, elle parle sicilien-italien parce qu'on a eu le temps de migration des Italiens partout. Donc, Mais bon, Tchernobyl, c'est en Ukraine, hein, c'est en Russie. Mais en fait, là où j'habitais, c'est en Ukraine. En Ukraine. Précisément, c'est une région qui est... Avant Ceausescu, en fait, c'était une partie de l'Ukraine qui est devenue Hongrie. En fait, c'est... voilà. Ouais. Si on doit vous donner un exemple, c'est Bruxelles, Paris. Voilà. Roumanie. C'est très proche. Il y a la Hongrie, la Roumanie, l'Ukraine. En tout cas, lors de ma naissance, on a des cassettes. Oui. On a une cassette vidéo. Des pays de l'Est, en gros. Oui. Moi, je suis né en 86. On a des témoins, des vidéos. Pendant, justement, l'année de la catastrophe de Tchernobyl. C'est en fait en. Je ne sais plus. 86, mais je ne sais plus le mois. Voilà. En fait, l'explosion, c'est en 1986, et moi, je suis né en 87, début 87. Donc, tu as été conçu pendant la catastrophe. Et c'est un peu ça, ma chance, comme pas d'autres, parce qu'il y a des malformations, à trois bras, quatre bras dans l'orphelinat où j'étais.
Mais je reviens à l'histoire de Rome. Mmh. Donc il sort, il voit le journal, il dit, on doit aller en Roumanie, hop. Et on lui a dit, tu l'appelleras un tel nom que je ne dirai pas forcément. Et c'est un très beau nom. Et j'ai eu une très belle éducation. Et vers mes 15 ans, mais depuis mon enfance, vous pouvez appeler ça des transferts de corps, tout ça. Chaque fois, je disais, mais je rêvais comme si j'allais me promener. Tu faisais des voyages astro. Voilà. Un peu comme Marc. Je n'aime pas les termes scientifiques, tout ça, mais voilà, mon histoire, je l'explique comme un petit corps, enfant. Tu voilà. faisais des sorties de corps. Déjà, à ce temps-là, c'était beaucoup de rêves, aussi prémonitoires. Voilà, bêtement. J'aime pas dire. D'où ta clairvoyance. Peut-être, qui sait. Je vous dis, je ne me donne aucun nom. Non, c'est beaucoup de gens qui m'ont dit, mais t'es plutôt, voilà, si, et si vous le dites, vous avez raison. Bon. Mais en tout cas, et puis est venu, je vous fais un petit résumé, à l'âge de mes 18 ans, bon. Peut-être aussi dans une vie un peu tourmentée, il ne faut, faut pas le cacher, c'est souvent aussi des personnes qui veulent, et pourtant j'ai tout, je viens d'une très bonne famille, de tout niveau, de haut comme bas, et j'ai tout découvert, et à ce moment-là peut-être, et sûrement, et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu aussi cette clairvoyance, ces réponses. Un jour, j'ai vécu chez moi quelque chose de... Au début... Tu veux dire ici, dans cette maison ? Cette maison, oui. Ouais. Et tu peux nous raconter ce qui s'est arrivé ? Bêtement, un jour, je ne savais pas dormir. D'accord. Mes parents étaient en vacances depuis un mois. Voilà. Donc, je reviens d'une soirée d'un tel village chez moi. Mmh. Et puis, déjà, comme je disais, je pensais que mes parents étaient rentrés. Il était 6 h du matin. Mmh. Rien du tout. J'essaie d'allumer la lampe, ça ne va pas. D'accord. Déjà ça, la lampe qui n'allait pas. Puis, j'essaie de téléphoner. Je dis, mais il y a quelqu'un ici. Après, j'essaie de téléphoner. Je dis, il y a des gens ici, c'est pas possible. Mmh. Je dis ça ne va pas. Moi, je pensais mes parents, ils devaient rentrer la veille pour finir, ils ne sont pas rentrés. Donc, j'essaie de téléphoner à mes parents le matin. Mmh. Et à un moment donné, au téléphone, tout se coupe. La tonalité se coupe. J'avais même laissé un message vocal, pourtant qui n'est pas apparu sur le message. Et pourtant, j'ai téléphoné. Et à un moment donné, un bruit immense, comme si un millier de personnes qui rentrent, c'est... je vais faire le bruit, c'est... Ça a été vraiment un tonnerre de bruit, comme si un millier de personnes rentraient dans... Sur le moment, j'ai dit, mais il y a des voleurs ici, ça va, maintenant c'est bon, sortez. Mmh. J'ai ouvert la porte de mon entrée. Personne. Mon entrée vraiment à l'extérieur, et je criais, mais il y a des voleurs ici, c'est pas possible. Et des bruits, comme si on courait dans la chambre d'en haut. C'est vraiment des bruits. Des bruits de pas, des bruits de coups. De pas. De pas, ouais. De pas, pas de coups. De pas. Et comme j'ai dit, c'est venu de l'intérieur, mais vu que dans mon escalier c'est du bois, donc c'est vraiment. Il y a la chambre de mes parents, on a une deuxième chambre, une troisième, et au-dessus une quatrième. Mmh. Et comme je dis, c'est comme s'il y avait chaque personne dans chaque endroit. Et ça marchait. Ça marchait à chaque fois. Il y avait des coups de sifflet. J'avais la porte d'entrée ouverte. Donc, je suis là comme ça en bas, je dis, mais descendez, j'ai appelé la police. Mmh. J'arrive, parce que j'ai un corridor avant d'arriver au téléphone, je veux téléphoner à la police. Mmh. Le téléphone coupé. Donc, j'essaie de frapper chez mes deux voisins, le droit de le gauche. Il était vers 6 h 30, je me souviens de chaque détail, 6 h 30. Mmh. Là, vers 7 h ici, j'essaie de frapper chez ma deuxième personne, ici, ma deuxième voisine. Mm-hmm. Personne ne répondait, c'est comme s'il y avait un blackout, vraiment. Mm-hmm. Et je voyais les voitures, c'est comme si on ne me voyait pas. Et pourtant... C'est comme si tu étais en sortie de corps et tu étais invisible, en fait. On va dire oui, mais malheureusement, je n'étais pas... j'étais bien les pieds sur terre, vu que je n'ai pas su dormir après, j'ai attendu mes parents. D'accord. Donc, non. Je me suis quand même un peu assoupi après. Comme si tu étais dans un monde parallèle, parce que je comprends. Ouais. Non, c'est comme si on avait... sur les quelques maisons ici au-dessus de moi, on avait... et grâce aux émissions qu'on peut voir maintenant, qui est diffusée, et c'est grâce à ça aussi qui m'a un peu rassuré, que... J'ai bien compris qu'il y avait, et je l'ai compris bien par après au fond de moi, qu'il n'y avait pas de souci, mais c'était comme ça. Grâce à plusieurs faits qui s'est passé en France, partout dans le monde, on dirait qu'il y a un blackout sur certains... Et oui,
Je pouvais frapper à côté, je pouvais frapper, je pouvais... le téléphone était coupé, il n'y avait personne. Personne. Ça a duré No pendant. man's land. Alors, bon, sur ce, j'ai toujours la porte Ouais, de mon d'accord. entrée ouverte, vu que c'est un corridor et on monte en haut par la porte d'entrée. Donc, je suis en bas de l'escalier. Alors, j'avais une bouteille, un bâton, comme un seau, et j'entends des pas. Je t'ai fait découvrir la chambre de mes parents, des bruits. Et je dis, mais il y a qui dans la chambre? Mais c'est qui? Bordel, bon, ça va, je peux le dire. On peut le dire. Et ça, c'était vers 8 heures. J'ai attendu au moins 3 et ça continuait. Forcément, à un moment donné, au grenier, mais on a fait une chambre, un petit appartement. À un moment donné, tu entends des choses tomber. Tomber, mais sur le moment, bon, maintenant j'ai appris, donc il n'y a pas de souci. Mais sur le moment, c'était traumatisant. Ça a devenir fou, même totalement fou à expliquer ça. Et quelques heures, même pas, j'ai attendu au moins 1 heure en bas de l'escalier, et j'ose, et je montais un escalier par la fois. Et on dirait qu'on me dirigeait dans la chambre où je t'ai montré, la chambre de mes parents, qui était ma chambre enfant quand je suis D'accord, ouais. arrivé. Forcément, je dormais toujours à cette... Ah oui, c'était là que je dormais. C'était là que tu dormais, donc c'est vrai qu'il y avait un foyer éventuellement. Mais sur le moment, c'est pas très extraordinaire, mais il faut le vivre. C'est toujours impressionnant d'avoir À écouter, ce du n'est bruit, pas. Il faut quand se on a mettre à la vécu place ça. des gens. Pourtant, à le dire ainsi, c'est pas extraordinaire. Bon, déjà, le bruit, pour moi, c'était le plus atroce. Mais je ne sais même pas, je sais même pas comparer. Pourtant, au début, c'était le bruit qui m'a traumatisé pendant des semaines. C'est souvent. Mais dans un sens, je me dis, mais c'est le... Voilà, donc j'arrive enfin, petit à petit, j'ouvre la porte. Ah oui, il était, faut pas oublier, il était 6 heures. 6 heures du Tous les matin. volets étaient fermés. Ouais. À part les rideaux, vu qu'à l'intérieur, on a des D'accord, ouais. rideaux. Donc, encore une fois, pas de vent, rien du tout. Déjà, le bruit, on a tout de suite compris qu'il y avait une séquelle qui m'alignait, comme on dit par chez nous, on peut le dire, ça. Oui, mais bien sûr, on n'est pas loin Borinage, du on peut le dire, borinage, hein, il pleut mal, il voilà. pleut Voilà, mal, il y il a toujours pleut des mal. expressions. Mais il ne faut pas oublier que nous avons des auditeurs québécois qui nous écoutent, donc on peut le traduire, hein, voilà, aussi. Ah ben tant mieux, ils ne comprendront pas. Voilà. Oh, je suis méchant, t'as vu, Mais non, non. satanique, il est là. Non, je plaisante. Mais bon, un peu d'humour, ça ne fait pas... Mais... C'est pas interdit sur Impossible pas. Et j'arrive enfin, au bout de 3 heures, à monter chaque escalier, mais je vous dis, là... Après des bruits, des sifflets, des coups, des... Pas, non, pas des coups, des choses qu'on dirait qu'on... Même pas, on dirait que c'était pas vraiment prononcé, c'est... Est-ce que ça n'est pas des bruits de sabots, par hasard? Parce qu'on dit souvent que ce sont des bruits de sabots, comme j'ai eu dans Oui, une... mais je peux y répondre après, ça c'est Mais normal. Ils ont les 4 éléments un peu, donc on manipule comme on manipule, mon Dieu, on dirait que je suis... ils manipulent facilement, mais c'est surtout à la base le bois, la porcelaine, tous les choses nobles, pas un peu Les matériaux chimiques. nobles. En tout cas, excusez-moi, je parle comme un enfant, mais c'est tous ces matériaux nobles, en tout cas ce que je peux confirmer, et dans toutes les histoires ça a été prouvé, c'est vraiment par tous ces... En fait, c'est 5 éléments et c'est tout à fait normal. C'est les 5 éléments de base, terre, mer, sel, terre, et qu'on fait Un tous ces peu comme dans le matériaux. cinquième élément, le film. Oui, bienvenue, c'est moi. Les loups multipasses. Oui, c'est ça. Et donc, Et donc, je rentre dans cette chambre, dans cette chambre, avec mon bâton, ton bâton de ma pèlerin. bouteille. Non, non, de le bâton, Non, la batte de baseball plutôt. Ben, figurez-vous, c'était la canne, un ancien, de mon Oui, parce que grand-père. tu avais peur, t'avais Oui, et peur j'avais que une c'était. bouteille, et je rentre discrètement, le volet fermé. Donc, mais il faisait jour, donc on voyait très très bien, même s'il y avait le volet fermé, tout était bien clair. Et là, maintenant, je dis en délicatesse. Dans mes premiers mots, mes premières... C'est souvent ce qui arrive, mais le souvenir reste gravé. Mais c'est ce rideau et maintenant c'est beau ce que je dis, d'une délicatesse qui s'ouvre, qui s'ouvre, Tout seul. tout seul, qui se referme. Bon, c'est le moment, j'ai lancé le bâton et la bouteille et je suis descendu et D'accord, On en t'as eu rigole, mais peur. oui. Mais est-ce que tu n'as pas vu Il y une avait... ombre? Une Non, ombre ou un orbe noir, je généralement, n'étais quand pas il y en en a... capacité de voir, mais il y avait bien, en tout cas, oui. Il y avait quelque chose, quoi.
Et ça, donc c'était le matin. Et ils n'étaient pas seuls. Donc c'était plusieurs entités, oui. On va dire. Oui, il y avait ben, la preuve. C'est vrai que j'étais tout à l'heure dans la chambre, j'ai un petit peu regardé, mais rien. Il n'y a plus rien. Non, mais, il y a rien mais, du tout. Il y a plus rien. Mais je t'avais prévenu. Ça, il y a, on il a y analysé un petit peu. Mais ça, ça va être le résumé de cette histoire, et un peu pour tout le monde à la fois. Mais donc de là, en découle que tu, et ce jour, et puis, tu deviens clairvoyant et que non, tu te jour, considères comme clairvoyant. Et à partir de ce jour-là, beaucoup de choses m'est arrivées. Faux, ça fait bizarre, mais si je dois tout répéter, oui, non. Tu peux résumer. On va résumer. Donc c'est vraiment ce déclencheur. Puis je retourne à vous chez moi. Bah ouais. L'ancienne maison de ma grand-mère qui est décédée, tout ça, il n'y avait pas longtemps. Et pourtant, c'est moi qui avais assisté vers la fin. J'étais au courant. Bon, soit. Et ben, ce jour-là, oui, tout a commencé quand j'étais tout seul là-bas. Dans mon autre maison là-bas, dans mon ancienne maison de ma grand-mère, où j'habite maintenant. Après cette expérience de chez mes parents, y a une fois, je regardais une émission, je ne sais pas. C'était quelques jours après, une émission, et je m'endors. Ça a commencé comme ça. Je me suis vu partir comme dans un cercle tourbillon très très lumineux. Un tunnel ? Il n'y a pas de mots. D'accord, ouais. En tout cas, moi je ne peux pas déterminer de mots. En tout cas, c'était parce que ça t'englobe en fait. Ouais. On pense que c'est peut-être un tunnel, mais en fait tout englobe et on est. Une impression de mort imminente en fait. Et je sais pas, en tout cas à un moment donné je me suis retrouvé, j'étais comme allongé, j'avais plein de sphères lumineuses autour de moi, plein, et chaque sphère avec une émotion, et ça a duré je ne sais pas combien d'heures, en tout cas je me suis endormi pendant 3 jours chez moi. Mes parents 3 jours étaient... Oui. Sans manger, sans boire. 3 jours je me suis endormi. D'accord. Pendant 3 jours j'ai pu donner de nouvelles. D'accord. Ce jour-là, je me suis... Là, c'est un résumé. Tu m'as demandé un résumé. Un résumé, non. Donc, ce jour-là, je me réveille. Je me souviens que je me suis endormi. Vous savez, l'émission... j'avais même demandé à un ami à toi, qu'on connaît tous, que je peux même appeler, c'est Michel Van Bostal. Ouais. J'avais même téléphoné. Je dis, mais... Je me souviens, ce fameux film, un genre de Portalgeist, avec cette petite fille qui regarde l'homme au chapeau noir dans la télé qui sort. Oui, mais c'est le film Portalgeist. Eh bien, ce jour-là, en fait, avant que ça m'arrive, j'avais... J'ai très peur, bizarrement, des étoiles, tout ça. J'ai jamais regardé tout ça. J'ai très, très peur. Moi qui adore l'eau, soit l'eau, aussi le sous-marin, soit. Et je regardais une émission aquatique avec les baleines, tout ça. Et bêtement, parce que je me souviens, c'est l'image-là que je suis là comme un an. J'étais là, je regardais. Et 3 jours après, je me réveille dans le lit. Après, où je me sens totalement là, dans cette sphère lumineuse. De là, je me réveille. Je ne trouve plus ma télécommande. J'ai merde tout ce qu'elle est. Involontairement, j'étais en haut. Je regarde en dessous de mon lit. Ah, elle est là retournée. Elle est là correctement. Les touches en l'air. Donc je la prends. Je vais allumer la télé vu qu'elle était éteinte depuis 3 jours. Bon, j'ai un petit décodeur qui ferme au bout d'une heure. J'ai merde, elle ne va pas. Et je mets, elle est légère en même temps. Je regarde, les piles ne sont pas dedans. Je constate en fait qu'elles sont juste mises deux à deux, juste à côté de la télécommande que j'avais pris, que j'ai pas fait attention, elles étaient légèrement plus loin. J'ai jamais fait de face, je suis pas somnambule, tout va bien, je bois, je fume, et tant mieux, je profite. Mais je n'ai jamais eu ce symptôme-là de sortir les piles de la télécommande. Mais même pendant la nuit de faire, je n'ai jamais, non, au contraire, pas de souci. Donc oui, j'ai retrouvé la télécommande en dessous de totalement, et j'ai compris pourquoi aussi. C'est pour me faire comprendre dans un sens que tu n'as pas rêvé, ce que là tu as vécu n'était pas... Oui, parce que j'étais perturbé quand même, tu te dis merde, je n'ai jamais la télécommande, j'ai regardé une émission et en fait je découvre que ça s'est jamais passé, ça s'est plus jamais reproduit, cette télécommande qu'on retrouve en dessous de mon lit ou je ne sais où, mais en plus les deux... Mais le pire... C'est que ça paraît bête, mais à tes commandes, le boîtier, tout était fermé. Je l'ai découvert, le boîtier, donc si par imprudence, c'est moi-même qui aurais retiré les piles.
Non, tout était vraiment. J'ai pris la télécommande et c'est que je sens qu'elle est légère. Je me dis, où sont les piles? Ça ne va pas. Et je remets ma tête en dessus. Je me dis, elles sont là à côté. Et je me suis. Voilà. Mais sinon, aussi une belle expérience. Oui, bon, ben ça aussi. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, ça date de plusieurs années, en fait. Ça date maintenant de 9 Mais quelles ans. sont tes expériences de Voilà. clairvoyance? Voilà, bah, c'est ce Ça, que je... j'y arrive. Là, en Voilà. fait, ça date de 9 ans De maintenant. 9 ans maintenant, voilà. Et puis ce jour-là a commencé, bon, ben, par exemple, je vais postuler à Bruxelles. Et tout ce que je dis, il y a des témoins, vu que ça s'est fait à un centre même de recherche d'emploi. On m'a demandé ainsi, on m'a demandé d'aller postuler à Bruxelles. Mais souci, la veille, j'avais fait un rêve. D'accord. Que ça explosait dans le tunnel de Bruxelles. Ce jour-là, je me suis mis. Regarde, rien qu'en parler, ça me met encore les émotions parce que je me suis fait passer pour un fou. Mais j'ai dit, monsieur, et je disais encore à celle qui recherchait un emploi, mais si vous m'emmenez à Bruxelles, je vous prends en tant que bouclier, mais je n'irai pas là maintenant, quelques jours après. Donc c'était l'époque des Et attentats. vous avez un très beau tome, oui, vous avez un très beau témoin aussi, c'est Michel Van Bostel. Ce jour-là, je l'appelais en panique. J'ai rêvé comme. Mais en fait, vous allez comprendre, j'ai rêvé que j'étais dans un bus jaune, tout ça, dans un bus. J'étais à côté d'une. Bon, attention, en fait, j'ai même vu la personne. Il était barbu, il était là. Je voyais un homme là, barbu. Ça. Bon Dieu, je vais dire ça, ça y est, moi aussi je suis barbu, hein, un peu mal, hein, mais je suis pas. Il était assis là au carreau, en plein milieu du bus. Puis j'avais une femme blonde à côté de moi que je connaissais pas. À un moment donné, dans mon rêve, j'ai dit, merde, il va s'exploser. Je me lève et voilà, je me réveille le matin. Je téléphone à Michel, bah, je lui décris. C'est prouvé. Il peut témoigner, il n'y a pas de souci. Je lui dis, mais c'est. Et c'est seulement en lui parlant que j'ai constaté que je faisais une très grande erreur. En fait, les bus étaient jaunes, avec les trucs rouges. Mais en fait, c'était, je ne sais plus, c'était en Hollande. C'était en fait un train. Mais ils sont totalement. En fait, c'est comme les trains en Flandre. Ils sont jaunes. Et ça, en fait, on dirait des bus wallons, quoi. Bêtement. Et D'accord. je lui avais dit, je ne sais pas si c'est un bus ou un genre de tram, mais fais attention, il va y avoir une catastrophe. Ben, c'était le jour où il y a eu l'attentat du bus. Je ne sais plus les dates. Je vous dis là, c'est un résumé, mais ça a continué ainsi. Qu'a fait la une des journaux, c'est celui qui s'est fait exploser dans le bus au milieu du tram, et j'avais tout vu. Et ça, c'est un rêve qui me revient parce que là, on en parle. Mais ce jour-là, j'étais comme tant. En fait, quand je rêve de ça, on dirait que je suis comme sous l'eau, avec plusieurs miroirs. Et on voit les. J'ai pu voir comme des fractures de miroirs, comme on va dire plein de Oui, fractures, plein. d'accord. Des Et demi-miroirs, et là tu vois. c'est en voyant, et j'étais comme dans un train fou, Oui. et je voyais tout ça, et il fallait bien déterminer où et quoi. Et pendant cette période-là, il y avait aussi ben, l'attentat de Liège aussi, j'ai pu décrire, que j'avais décrit Oui, là c'est aussi. une fusillade qui a eu lieu Oui, sur. et notamment à Paris aussi, mais allez savoir, allez donc. Et quand, donc ce sont des brides. Ou ce Oui, sont des bribes. des brides En fait, c'est comme un miroir. Vous cassez un miroir. Et je. C'est ça qui est Et il y intéressant. a. Vous cassez un miroir. Et il y a chaque. Chaque vie là, chaque passage, un Mais on miroir ne sait pas fracturé. définir exactement la date. Le moment. Mais il n'y a pas une date qui te vient Non, mais c'est en. l'un. C'est presque. C'est intemporel, quoi. Ce serait un. Oui, c'est intemporel. Oui. Ah, c'est bien, c'est comme Ouais. le site que j'ai appelé. Ouais. Ça, on peut le dire. Ben oui, parce que bon, j'imagine que si on est clairvoyant, si tu vois des moments de futur, bon, Mais en fait, mais ça c'est. on ne va pas te demander ce qui va se passer dans l'avenir, parce que. Mais en fait, il se passe exactement comme le temps d'avant et tout ce qui s'est passé avant. C'est Donc, donc toute l'histoire se répète, ça c'est un oui. vieil adage qui. Alors, il y a peut-être quelques fractures qui peuvent faire certaines personnalités qui peuvent émerger ainsi. Essayer de. Mais malheureusement, c'est ça quand on en discutait avec toi, que tu me demandais cette question pour le futur. La question qui veut dire le futur, il est simple. En fait, depuis l'aube des siècles, on a les réponses en main. On sait chaque action provoque quel Une résultat. réaction. Une réaction, Action, réaction. réaction. Voilà. Et depuis l'aube des siècles, que ce soit le plus grand gouvernement partout, bien que le plus simple homme et femme,
on sait très bien de quoi réaction, action-réaction. Et pour le moment, il n'y a pas une majorité d'esprits qui peuvent changer. Donc notre futur. Donc la question que tu me posais, le futur, ça ne veut pas dire que ça sera néfaste, parce que, oui, pour vous rassurer, la Terre, c'est comme un être vivant. Elle se protège, elle est vivante, la Terre. Il faut vous dire, chaque organisme est vivant. Je reviendrai aussi à un rêve aussi que j'ai fait. Donc tu as fait un rêve bizarre. Bizarre, quand? Quand tu... Pendant cette période-là. J'ai rêvé, malheureusement, et tant pis, je le dis. J'ai rêvé, je ne sais pas c'était où, c'était une coupole. Et ça ne s'est pas produit, parce que d'habitude, mes rêves, quand ça se produit, il faut au moins... c'est minimum très très peu. Quand deux, je trois le dis. Semaines une... bon, maximum un an, j'ai remarqué. Bizarre, pour les plus grandes catastrophes, c'est un an. Comme j'ai pu... Ah oui, parce, les... oui, parce que j'adore... Je... De toute façon, tout ce que je dis, c'est facile à prouver, vu que j'ai un site, tout ça. Mmh. Facebook, depuis 3 ans, j'ai mis plein de choses, et c'est tout ce qui se passe avec les guerres, tout ça. Je l'ai mis avec la guerre Israël, j'ai mis... c'est sur mon site, hein. Tu peux regarder, donc... Et, et quand je vois tout ce qui se passe, mais c'est hallucinant, c'est tout ce que j'ai dit, quoi. Et on en arrive bientôt en Belgique, soit. Donc, dans toutes ces visions, tu as aussi eu des visions d'extraterrestres. Oui. D'OVNI, donc là ça devient un sujet plus intéressant. Mais en fait, c'est des... Et de poltergeist aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est ça, mais en paranormal. Mais est-ce que serait, tout c'est serait le même lié sujet. Est-ce que tout serait lié? Mais bien sûr. Donc, alors donne-moi ta, bien ta version des faits. Mais bon, on va commencer par ce petit rêve. Oui, malheureusement, ça c'est un rêve qui m'a beaucoup perturbé pendant plusieurs années parce que pour le moment c'est pas arrivé, donc ça va. Mais j'étais dans un grand parc. Il y avait comme une coupole blanche. Je ne peux pas déterminer parce qu'il y en a beaucoup en France. En Belgique, il y en a peu, mais il y en a que certaines, comme une coupole, ou bien comme Rome, quoi. Je ne sais pas. Pourtant, je suis pas. Moi, je suis laïque. Ah oui, un père chrétien, mais une maman très terre à terre. On accepte toutes les religions, mais on ne croit sûrement pas à ça. Mais à une force très supérieure, ça oui, on a le respect de tous. Et je ne suis pas internet ni télévision, il y a encore 3 ans je n'avais pas internet, donc rassurez-vous, c'est pas... Mais oui, j'avais fait une vision, je voyais comme... j'étais dans le parc, et je vois comme, oui, comme on dit tous, la petite sphère brillante, l'accaparée, ainsi de nulle part, derrière un nuage. Donc sur le moment, vu que mon papa qui l'avait vu, une secoupe dans son... Mais pas la secoupe, mais la boule lumineuse, là c'est en plein jour, mon rêve. Pardon. Donc j'observe, je téléphone, je m'en souviens, mes dernières paroles, dans mon rêve, hein, je disais, attends, regarde, moi aussi maintenant je vois une soucoupe volante, mais moi je vois la matière, parce que moi j'aime bien dire la matière, je préfère dire une soucoupe volante, c'est la lumière. Là c'est plutôt la matière pour un peu prouver aux hommes qu'il y a bien une force supérieure au-dessus, attention, qui est bien depuis l'aube des temps, même si l'homme reproduit cette matière, il n'y a pas de souci, tout le monde, en tout cas, je le sais, tout le monde le sait. Presque tout le monde, en tout cas dans le domaine-là. Mais le souci, c'est qu'après, il y a une énorme sphère. Comme je vous ai dit la première fois quand nous étions en réunion, une fois, c'est une sphère qu'aurait pu prendre totalement la taille de Paris, de la Belgique, même de plus... Même, je dirais même de la taille de l'Europe. C'était immense. Je sais en dessous... Bizarrement, quand j'y pense, oui, j'ai... Et c'est la première fois que j'ai pas eu peur. Pourtant, je déteste de voir... Moi, je déteste les avions, les hélicoptères. Je déteste tout ça, moi, hein, quand je vois tout ça. Donc, vous me verrez jamais sur une vidéo. Regardez ces... Permettez-moi de vous dire ces conneries sur les vidéos. De ce couple qu'on c'est voit. C'est ton droit. Voilà. Et le droit de tous. Mais quand je dis conneries, pourquoi? Parce que c'est... Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je vois ce fameux... Comme cette sphère ronde. Je voyais plein de points lumineux en dessous, des couleurs bleues, un peu vert, rouge, c'était très très lumineux et je me sens totalement emporté. Les deux poignets comme deux aimants qu'on me mettait ainsi, j'avais les poignets totalement en l'air. D'accord. J'ai lâché mon GSM, vu que je téléphonais à papa, pour lui dire, dans mon rêve on part, hein. Ouais. Et je me sens totalement emporté vraiment,
Je ne savais pas si j'étais. Au début, je pensais que j'étais horizontalement, mais en fait, j'ai compris que j'étais C'est le verticalement. rêve d'une abduction, comme on dit, d'un enlèvement. Je ne sais pas. Non, c'est un rêve. Oui, mais ça représente qu'on a généralement les enlèvements extraterrestres, les abductions, c'est que les gens se font emporter. Ouais. Et je ne Donc, sais pas si dans vos témoignages, ils ont ces mains qui sont totalement. c'est différent, c'est différent. Moi, Ils sont juste. paralysés, par contre. Les gens sont. C'est comme une paralysie du sommeil, généralement. Oui, voilà. En tout cas, j'ai vraiment senti ces mains, mes poignets totalement, mais serrés en fait. En Serré. fait, voilà. Regarde, en fait, c'est parce qu'on pourrait me filmer, mais j'ai pas envie. Mais je peux faire les gestes, tu le vois, Je le vois, oui, et je tu me mets les deux mains sentais joint, ouais, comme voilà. ça. Ouais. Et waouh. Mais en fait, dans ce Attiré rêve-là, vers le haut. oui. Mais en fait, dans cette grande sphère, elle inspirait plusieurs. Et je m'en souviendrai toujours, je voyais très au Vous étiez loin. plusieurs. Non, moi, oui. Et en tout, oui, je le ressentais que je n'étais Ouais. pas le Vous seul n'êtes à pas le seul partir à. en haut. Ouais. Mais le souci, je voyais là-bas quelque chose plus loin. Alors, je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Parce qu'en tout cas, ce n'est pas pour moi. En tout cas, je dois constater ça, le matériel. Mais en tout cas, si là, j'essaie de me souvenir, c'est. J'ai vu quelque chose de long se contracter comme ça, comme un fœtus, on va dire. Et c'est plutôt une énergie après qui est partie au-dessus. Mais il y avait, je parle de matière biologique, mais en tout cas, ce truc est sorti de je ne sais où, que je connais très bien, mais j'aime pas dire ce nom parce que j'ai mes raisons. Parce que voilà. En tout cas, cette chose matérielle, on voyait qu'elle était fort allongée. Une couleur très claire, en tout cas, je me souviens. Mais qu'est-ce qui était impressionnant, c'est quand elle est rentrée, parce qu'on dit toujours elle, mais soit, dans la sphère que moi je rentrais, moi j'avais encore mes deux mains ainsi, et je voyais là ainsi, j'avais mon petit cou ainsi qui regardait. Et j'ai vu juste avant de rentrer, ça se contractait, ça se rétrécissait. On dirait son membre pouvait rétrécir. Mais qu'est-ce qui était impressionnant, en fait, c'est que. Il y avait comme une boule d'énergie qui est partie au-dessus. Et ça, Est-ce que tu avais conscience de ton corps à ce moment-là? conscience du rêve. Conscience. Mais c'est toujours après une C'est plus comme un semaine que rêve la cons. éveillé. Un rêve éveillé, quoi. Qui Non. semble réel? Ça semblait réel? Non, c'était réel. Ça va être Ouais, réel. ça Ça c'est va être réel, ouais. réel. C'est comme Ouais, tous mes mais c'est rêves. parce qu'il y C'est a quand je me. des rêves Non. où c'est C'est un diffus, rêve quand je et me t'as le suis rêve vraiment retrouvé où tu la le fois vis, quoi. dans ce fameux. C'était impressionnant, le train que j'ai pensé, c'était un bus, mais en fait c'était exactement la même couleur. Et le pire, oui, j'ai oublié d'expliquer, mais j'ai vu les rails du tram. Mais en fait, il a explosé juste à côté des rails du tram, en fait. De toute façon, tout ce que je dis là, il y a un ufologue qu'on connaît tous. À ce moment-là, je l'avais même appelé en panique. J'ai dit, fais attention, vu qu'on sait tous qui conduit des bus, je m'en fous. Et que voilà, et j'ai eu peur parce que c'était exactement la même couleur. Donc, en revenant. Donc voilà. Mais sinon, ce fameux rêve des ovnis, oui, il faut dire les mots tels qu'ils sont, comme l'homme l'a donné, du matériel, oui. Mais en tout cas, là, je ne sais pas Donc tu n'as si. vu que des sphères, tu n'as pas vu d'être, tu n'as pas vu Ben d'objet. si, Tu as vu. mais c'était trop loin. Et de toute façon, je pourrais Est-ce pas. que ça avait l'air humanoïde? Je ne peux pas déterminer, je ne peux pas le dire. Bizarre. C'est pas, je ne peux pas le dire, j'ai beaucoup. Tu pourras me poser des questions, mais n'hésite pas. Pose-moi des questions sur tous les sujets, les plus grandes enquêtes que tu as pu suivre, les réponses que tu n'as pas eues. Malheureusement, j'ai, grâce à ça, je ne sais pas. Même sur la science, sur l'évolution du monde, sur le cosmos, sur l'hypercosmos, sur les trous noirs, même sur bêtement les virus, Tu as été informé, sur la politique, à un non. moment. On m'a donné cette capacité d'avoir. J'ai eu des informations, mais c'est tellement complexe pour un cerveau banal, pas banal, mais terrien, tout simplement. Il faut un peu être. Tu as été bombardé d'informations à partir du Parce moment où. que malheureusement, je suis terre à terre, je suis dans un quotidien normal, donc mon cerveau. Je peux pas libérer mon. Bon, le cerveau est très complexe, mais tout un chacun pourrait acquérir ses réponses. Donc, pour toi, la vie extraterrestre existe. Est-ce qu'ils sont déjà venus ou est-ce qu'ils sont là? Ou est-ce qu'ils ont toujours été là, sur Terre? Oui, la dernière, ce que tu Ils viens ont de dire. toujours été Et là. ils sont toujours là. Mais Ils se cachent contrairement, bien.
Bon, tu me permets de venir. Tantôt, tu es venu avec tes deux petits bâtons, là. Pourtant, je t'avais dit, le monde est tellement perturbé par les ondes magnétiques, par tous les nouveaux tuyaux qu'il y a. Je suis triste de te le dire, ça ne sert à rien. Oui, j'ai étudié les ondes telluriques. Enfin, j'ai regardé s'il y avait des croisements telluriques. Mais le monde... C'est vrai que maintenant, avec ça, les perturbations... Avant, oui, il y a 40... Non, même pas. Il y a précisément 60 ans. Parce qu'il n'y avait pas autant de magnétisme, d'électricité, ni tous ces nouveaux cours d'eau, qui veut dire tuyaux, nouvelles constructions. Oui, d'accord. Tout est perturbé. Tout est perturbé. On pourrait aller à la maison, que je pourrais te dire, où on a vu une... Ah oui, parce que faut savoir que bizarrement, je rencontre des gens qui se confient à moi. Mmh. Je suis allé à une maison, ça aussi. C'est pour ça, là on parle plutôt, comme vous dites, les grands ufologues portent le gaze, mais on sait tous. Plutôt les enquêteurs du paranormal. Voilà. Mais par exemple, je peux dire deux petits exemples de deux maisons. Donc ton avis sur le poltergeist, donc. Il n'y a aucune maison hantée, ça n'existe pas. Ça vient de l'humain. Oui, ce n'est que des. J'allais dire des âmes, pardon. Non, c'est des faits. C'est des faits. Des faits ou des faits ? Des faits prouvés, comme faits. Une enquête judiciaire. Ouais, c'est des faits et on peut prouver face... Parce que tu disais des faits avec leurs petites ailes. Non. Même si ma maman m'appelait mon petit lutin, mais non. J'étais... Des faits FAIT, hein, donc voilà. Soyons précis. Ouais. Non, et rassurez-vous. Non, ayez peur, mais rassurez-vous. Il n'y a aucune maison hantée, à part que des esprits, donc l'humain, qui a beaucoup de choses à cacher et qu'on veut faire dévoiler. Et quoi, ils sont dans un monde perdu, ils sont dans non, le monde. C'est qu'il y a beaucoup de non-dits dans les familles et c'est parce que notre... Comment... Je prends des risques, mais c'est rien. Il faudra faire attention quand on enregistre. Parce que je prends des risques en disant ça, vu que tu sais ce que je fais. Mmh. Le gouvernement, c'est depuis l'aube des siècles. C'est comme ça. Et que c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des actes, comme on dit, portelgais, ce que j'ai appris il y a très peu, parce que moi je ne connaissais pas tout ça. Mais moi c'est plutôt des actes faits par l'invisible, on va dire ça. Mais c'est surtout pour calmer ces personnes tourmentées. Ça arrive souvent à des personnes. Un exemple, moi j'ai connu une personne qui a vu, et que ça a été déjà diffusé sur Internet. Depuis 3 ans, je suis sur Internet et j'ai découvert des vidéos, je me suis même supprimé. Tellement que c'est... Eh bien, figurez-vous, c'est la vidéo qu'on voit. Je suppose que c'est une ombre noire dans un couloir, je ne sais plus, aux États-Unis, qu'on voit un homme se faire traîner par l'ombre noire. Ouais. Tu vois de quoi je parle ? Je connais cette vidéo, oui. J'en ai même montré, je ne vais pas dire le nom, même, de toute façon. Ouais. Mais ça va, non, il faudra faire, voilà. C'est quelqu'un qui fait des soupers paranormales. Ouais. Eh bien, figurez-vous, j'ai rencontré une personne qui a vu cette ombre noire, ici, dans mon village. Ouais. Il y a déjà eu un médium qui est allé, soi-disant, j'aime pas ces noms-là de dénominatifs, soit. Une clairvoyante. On va dire ça, ouais. Celle qui a du ressenti de l'invisible. Elle est allée dans cette maison-là, elle a dû aller 2 semaines à l'hôpital parce que c'était un homme très violent aussi. Mais son ex-femme qui s'est suicidée, et en fait, elle est allée à l'hôpital, ça a été prouvé. Hein. Dans tous les médias, il y a eu des témoins. Pendant une semaine, il y avait l'esprit, on va dire, de l'ex qui s'est suicidé, de son épouse. En fait, elle disait tous les souvenirs, tout. Et elle parlait comme elle. Elle était vraiment... Ah, elle était en dépression, elle ne l'a plus jamais fait clairvoyant. Quoi. Ah ben, figurez-vous, moi je rentre un jour, il y a 3 ans ici, dans cette maison. Si je n'avais pas cette histoire-là, je ne vais pas dire que je me sentais bien, non. Mmh. Non. Ça, je ne peux pas dire ça. Oui. Je peux pas me comparer, parce que quand on voit le physique, en tout cas j'avais déjà ce ressenti, cette personne-là qui a été très tourmentée, mais en tout cas dans cette maison-là, non, j'ai pas senti en tout cas de quelque chose de néfaste. Négatif. Et pourtant, mais sur la personne, si. Pourtant, il a un fils d'un tel âge qui a vécu plusieurs choses avec des témoins, et la veille que je suis allé, il y avait un verre qui a cassé le lendemain, j'avais même dit, fais attention, continue d'être, parce que le papa, il était très énervé. Ouais. Et j'y continue, mais ça ne va pas. Et moi, je suis... Parce que il me parlait de ces histoires-là. Et il ne voulait pas m'écouter. Parce qu'il dit, ouais, mais toi, t'es un médium. Je dis, mais non, je ne suis pas. Regarde, on s'en fout. Tu viens de me dire que l'autre qui est venu ici, elle est allée à l'hôpital. Et moi, je suis là. J'ai dormi pendant une semaine, là. J'ai vécu une belle histoire quand même, là.
un soir, comme je t'avais expliqué, je vous fais un petit résumé, je me suis endormi, on était tous, on était une fête, on s'est endormi tous dans le divan, tous, on était 5-6, ouais. Mais c'est grand. Tout le monde dormait à point fermé, vers 3h du matin, je vois le... C'est souvent 3h du matin. Oui, je sais. Pas que, mais oui, notamment. Mais vers 3h du matin, voire 4h, ils se sont levés tous les deux, et je les regarde, et je me vois dire ben, bonne nuit. Et pour finir, le matin, on vient de m'annoncer ainsi que, en fait, j'ai compris que, quand on m'a dit bonne nuit, que le lendemain, on m'a constaté le matin que mais j'avais dormi à poids fermé, que je ronflais comme pas possible, et je dis mais c'est pas possible. Donc tu l'as fait d'une traite, quoi. Oui. Tu as dormi ta nuit d'une traite. Et je dis mais enfin, je vous ai vu le lever à 3h30. L'un est habillé, l'autre non. En tout cas, il s'est déshabillé, et puis il est allé dans leur... Bon, à ce moment-là, ça a été un blanc total. C'était le couple, on était à trois. Oui, j'étais censé dormir. Apparemment, je ronflais. Pas possible. Au matin, je dis, mais non, je vous ai dit bonne nuit. En tout cas, je me suis situé debout. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, mais c'était l'esprit. Bon. Mais on va arrêter avec tout ça. Ce qui me ferait bien plaisir, c'est un peu répondre sur les grands portails. Comme je voulais revenir, c'était surtout sur les maisons hantées. Et encore une fois, c'est des faits, parce que c'est très facilement prouvable, et ça se sait depuis l'aube des siècles, de toute façon. Dans les serait en fait de la... qui disent de la télékinésie qui viendrait des personnes perturbées. Non. Désolé, on va me prendre peut-être. Non, peu mais importe. Donne ta version, hein, c'est impossible ou pas. Les gens c'est pas vraiment la version, j'ai pas appris, c'est tout. Depuis l'aube des siècles, ça existe comme ça, des faits. C'est parce que ça a été étouffé par les gouvernements depuis l'aube des siècles, par les manuscrits. La preuve, maintenant, on voit tout sur le chaîne TV, les Alien Theory, que je viens de découvrir il y a pas de quelques années. Mais tout se sait. Tu m'as dit que tu aimais bien une émission, c'est Ghost Adventure, et tu me dis que tout ce qui se passe dans ces émissions, c'est vrai. Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est vrai. Tout ce qu'on voit là, c'est bien prouvé. Et de toute façon, les plus grands le savent très bien, en tout cas de notre monde qui dirige notre monde, les politiques, les scientifiques, les plus hauts. Bon, mais alors c'est quoi? C'est un monde parallèle pour toi? C'est l'au-delà? Est-ce que c'est une matrice? Non. Est-ce que c'est un monde parallèle, enfin, je ne sais pas. Non, l'homme donne le nom aux choses. L'humain. L'humain. Donc, ce qu'on appelle la Matrix, pour eux, là-bas, c'est totalement différent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La vie et la nature, c'est quoi pour vous? Pour toi. La vie et la nature, la vie, c'est un écoulement de temps, et la nature, c'est la beauté. Eh bien, la nature, c'est nous. Humain, oui, plante, sûr. La vie, c'est autre chose. On fait partie de tout. Non, ça. Nous, c'est la nature. Nous sommes comme un arbre. Oui, ah oui, mais nous, c'est ce que je dis, on fait partie du tout, de la nature. Oui, mais non, habituellement, on donne l'origine de la vie à toi, l'humain, à moi, à la vie, à un bébé qui naît. Mais non, nous sommes une nature humaine, mais la vie, c'est ce qu'on ne... Contrairement à ce qu'on pense, c'est même pas les plantes, c'est tout ce qu'on ne voit pas. On pourrait me filmer, c'est là, ce que tu ne vois pas. Ça, c'est la vie. Nous sommes en fait des espèces totalement différentes qu'on est. Tu vois, j'ai trop loin, tu vois. Nous sommes plusieurs espèces dans un organisme vivant qu'on appelle ça la Terre. Nous sommes totalement comme une espèce d'une plante différente. Mais ce qu'on appelle la vie même, ce n'est pas nous. Nous faisons partie d'un organisme vivant qui est la Terre. Et même l'univers est un organisme vivant. Nous sommes comme un cycle de la nature. La vie, c'est ce qu'on ne se voit pas, c'est tout ce qui est autour, le cosmos, hypercosmos, c'est tout ce qu'on ne voit pas, le vent, l'invisible, parce que tout ça, c'est la vie, c'est les particules, c'est les molécules, c'est les atomes. Oui. Ben, c'est là est la vie, et c'est ce qu'on, grâce à ça, on a constitué la vie sur Terre. Tu peux me poser d'où on vient. L'humain ne vient pas d'ici. Ce que j'ai déjà entendu, dis-moi. Par contre, c'est dans les pose-moi gens les qui questions. Faisaient des morts oui. imminentes. Dis-moi. Donc, les personnes s'en vont dans un tunnel, hein, comme tu expliquais, ou dans un truc. Oui. Et ils arrivent, ils voient leurs proches décédés,
Mais il voit voilà. d'autres êtres aussi. C'est normal. D'autres êtres c'est normal. Qui semblent être familiers, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas terriens. Ah oui. Bienvenue au club. Oui. Ça aussi, j'ai fait, oui. Mais ça, bon, c'est encore une autre histoire. Cet être, est-ce que c'est des êtres interdimensionnels? Mais vous inquiétez. Est-ce que ce sont des extraterrestres? Ou bien c'est simplement ton cerveau qui part en sucette? Non, ce n'est pas le cerveau. Contrairement à les plus grands scientifiques et que d'autres ont contredit. Non. Alors oui, il y a des mécanismes dans le cerveau parce que le cerveau, il n'est pas complexe, contrairement à ce qu'on dit. On sait très bien comment il fonctionne depuis l'aube des siècles. Alors contrairement... Oui, bon, je ne vais pas revenir sur tous les... On dit que, alors, avec le tunnel blanc, c'est à cause des médicaments, si je... Non. Ça, c'est le côté rationnel, scientifique. Merci. Voilà. Mais non. Malheureusement, non. Grâce au cerveau, justement. Parce que contrairement... Le cerveau serait le support de la conscience. Voilà. Tu me parlais du tunnel tantôt. En fait, je t'ai parlé aussi, j'avais vécu ce système de rotation dans un... Oui, j'étais... Mais en fait, c'est parce que notre œil humain... En fait, si on retire la cornée, tout serait plat. Tout serait différent. Donc, on a tout ce sens arrondi. Donc, tout est... en fait, non. Si on veut aller dans la complexité, non, ce n'est pas un tunnel, en fait. En fait, on est comme dans une sphère, un multivers, on va dire, et qu'on va dans une... Dans une autre dimension. Spirituellement. Oui. Je vous le dis. Une élévation. Une voilà. Élévation, une élévation. Nous, on est comme une plante qu'on a germée là sur Terre, qui pousse, voilà, et qui... Mais le souci, c'est qu'on a la conscience bougée. Mais on est exactement comme une vieille plante qu'on met dans une terre qui pousse et qui dure autant de temps. Et cette plante-là évolue. Comme on a un bon exemple, la chenille, le papillon, mais c'est différent. Là, c'est dans d'autres... Mais c'est vrai que dans la nature, tout est cycle et dans l'univers, tout est cycle. Donc nous serons cycles dans la logique des choses. Mais, et même... Mais est-ce un cycle évolutif? Mais c'est pas terminé. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour acquérir cette conscience. En spirale, un cycle spirale. Non, spirale, non. Il n'est pas spirale, il est tellement étendu, c'est tellement vaste. Encore une fois, c'est les mots d'un humain que tu donnes. Ah ben oui, moi je suis donc, mais, les mots d'humain. Mon Dieu, on dirait un extraterrestre maintenant qui parle. mais bienvenue sur Terre. Ouais, tu parles. Non, c'est pas en spirale. Au contraire, c'est en étendu, c'est en vaste... Il n'y a pas de spirale. C'est l'œil, c'est l'humain qui donne ce spirale. Sinon, c'est totalement... c'est comme un cosmos. On dit souvent, et ça, on revient sur l'interview que j'avais faite avec Marc Auburn. Dis-moi. Et dis-moi, les gens qui ont fait des décorporations. Oui, dis-moi. Les gens disent, les personnes qui vivent ce genre de phénomène, voient à 360 degrés. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce que tu as une meilleure vue, une meilleure perception? En fait... mais c'est chiant, ils ont des catégories. Donc c'est des catégories. Chaque personne qui subit chaque acte, mort, faiblesse ou des paranormales, c'est vraiment des catégories pour eux. Donc ce que tu me parles de là, oui. Oui. Parce que mais là ils sont dans un état, on va dire, tant mieux pour eux, ils sont ressortis au moins, rassure-moi. Bien. C'est des extraits que j'ai vus. Moi, je n'ai pas dans mes amis proches, dans les gens que je connais proches qui ont fait des EMI. En fait, moi, j'ai fait une décorporation, mais c'était dû à la médication, à cause d'un médicament. Voilà, mais qu'il faut expliquer ça sur, comme... en fait, voilà, comment te dire? C'est comme... t'as un œil, voilà. C'est comme si ton cerveau était ton œil. Comme si ton cerveau était ton œil. Voilà. C'est pas une mauvaise définition. Et donc, il y a cette vision interne, mais c'est naturel en fait. C'est comme, qu'est-ce que j'ai regardé? Comme l'escargot, vraiment, ce petit œil qui, naturellement, il va, tu sais. Ou bien, c'est caméléon, ses yeux qui vont... Dans tous les sens, c'est ils sont des... C'est un œil, mais voilà, c'est naturel. Pour eux, ils pensent qu'ils voient sous le moment parfaitement... Ok, mais en fait, c'est comme une vibration qui fait waouh, t'es en espèce de rotation. De rotation. Mais en fait, voilà, ça aussi, il faut savoir qu'on pense, t'as le cerveau, les oreilles, oui, mais nous, on a déterminé. Mais il faut savoir, la première, c'est comme si c'est le cerveau. Quand, forcément, c'est toujours le cerveau. Le cerveau, mais. Et le cerveau détaché? Oui.
Détaché et en de fait, la, de la, du corps. On est dans plusieurs strates. Strates, oui. Et là, on est dans l'ultime, en fait. Mais en fait, c'est ça que je dis. Tu m'as demandé pour le futur, mais comment expliquer ça? Et même, ils sont. On va dire qu'on est dans les 12 péchés. Il faut acquérir ces 12 péchés et savoir. Les 12 péchés, pardon. On est dans cette catégorie-là. Tu peux tout avoir. Tout ce que tu vois autour de toi, tu peux être ça. Le président, le bourgmestre, le milliardaire, le pauvre, le drogué. Et en fait, tu as ce miroir de vie au fond de toi et tu dois acquérir. Celui qui t'énerve, ben, c'est chiant, mais apprends-le. Apaise tes mots. Et tant que. Et ça paraît fou, hein, mais c'est comme ça. Et on est dans plusieurs strates de vie. Et qu'il y a. Voilà, on en revient. Ça serait une expérience. Et que malheureusement. Et c'est ça que. Par contre, ça, c'est plus complexe. En fait, il y a une espèce là-haut qui dirige plutôt. Ces âmes qui ont un avenir. Mais qui. Oui. J'ai déjà entendu Dis-moi, parler. Ah oui, mais je vais te poser une question en tant qu'à fait. Ouais. Est-ce que tu crois, toi, à ces deux espèces, une qui essaie de protéger, j'ai déjà vu grâce au site de Marianne, une vidéo de Rita Guillard, qui est. C'est une question que j'aimerais bien te poser justement, et je pourrais te répondre après. C'est un témoignage d'un homme qui s'est fait enlever, qui s'est fait même soigner, mais qui dit, qui lui a expliqué ainsi qu'il y avait deux espèces, qu'il y en a une qui pouvait se montrer et l'autre qui était un peu en conflit. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai déjà entendu parler de ça dans pas mal de récits. Disons que, oui, dans des récits, j'ai entendu ça. Mais, tout ça, ces phénomènes d'abduction, tout ça, j'ai tendance à y croire. Parce que quand même, il y a des gens qui ont vécu des choses pas possibles. En tout cas, c'était une vidéo que... Mais c'est une question, justement, mais je vais te répondre. Ces deux espèces, soi-disant... On parle des gris, on parle des, soi-disant, des reptiliens, on parle des... Mais bon, moi, j'ai dur avec les reptiliens, je dois dire. Ah oui, mais là... Mais ils existent. Pour toi, ils existent. Non, ça a été prouvé. Ouais. Bon. Ça... Bah, voilà, non, mais c'est parce tu que... Tu connais bien les dossiers mieux que moi, moi je te le dis. Je ne connais pas tous les dossiers, non, je ne connais pas tous les reptiliens, non, oh, non, non. Oh, pardon, tout de suite. Non. C'est encore une fois, c'est l'humain, le gouvernement, qui a donné ce nom de reptilien. Mais en fait, non, c'est une espèce qui est en totalement convergence avec ce que vous appelez les gris, les petits gris. Parce qu'ils ont des noms, en fait, totalement différents. Ils ont leur terre à eux et c'est prouvé de... Je sais, mais c'est prouvé. Donc. Ils sont intraterrestres ou extraterrestres pour toi? Est-ce qu'ils viennent d'une autre planète, d'un autre système stellaire? Comme nous. En tout cas, comme. J'allais dire comme moi. Voilà. Comme tu es clairvoyant, tu vas me dire qu'est-ce qui va se passer en ufologie dans le futur et dans le paranormal. Pour toi. Allez. Donne-moi une réponse et après on clôture l'émission. Premièrement, le paranormal et l'ufologie, c'est la même chose. D'accord. Tout, c'est la même chose. En tout cas, la vérité va... En tout cas, la clairvoyance de ceux qui ne savent pas ou bien ceux qui n'ont pas été conscients de voir qu'il y a une force bien supérieure à l'homme. Car la religion, les dieux, tout ça, ça a été inscrit depuis l'aube des siècles pour mettre une harmonie avec les hommes. Mais sinon, depuis l'aube des siècles, on sait très bien, les plus grands gouvernements savent très bien que il y a eu des races qui sont intervenues depuis toujours. Le néandertalien, tout ça a été fait génétiquement provoqué par une race qui vient de là-haut. Mais là-haut, tu veux dire On appelle ça précisément d'un autre cosmos. Oui. Voilà. Il doit avoir la technologie de la lumière pour transgresser ce que les Égyptiens savaient faire, vu que c'est des êtres qui sont venus, et même nous avons été reproduits par toutes ces races. D'accord. Nous serions une expérience génétique. Oui, bien sûr. Mais tout à fait, oui. Mais bon, si on doit parler ça précisément, oui, nous sommes. Mais si c'est impossible ou pas, c'est impossible ou pas. Bien sûr, oui. Mais ça a été déjà prouvé. Par exemple, on appelle ça les races de Dionysos, les Denisova, les Denisovasiens,
les Denisova, pardon. C'était juste après le, les Denisova, il y a eu la race les Denisova, qui a été une génétique provoquée, soit, et ça a été prouvé. Mais la suite, c'est que, ben, tellement que l'homme du gouvernement, l'homme de la loi, et malheureusement, que ce soit en France ou en Belgique ou en Allemagne ou partout dans l'Europe, malheureusement, ce n'est plus ces dirigeants-là qui nous dirigent, mais on appelle ça l'Organisation mondiale, l'ONU, l'OMS, Santé, c'est eux qui prennent toutes ces lois depuis l'aube des siècles. La vérité va savoir dans plusieurs signes. Ici, ici nous sommes telle date, il va le préciser après Fred, il fera... On est dans la fin du mois d'août 2021. Ici, vous pouvez vous dire dans 5 mois, allez, non, un an, il y aura déjà des apparitions du côté de Flandre, du Hainaut, et surtout en France. Il y aura plusieurs vidéos qui vont se déclarer. Et quand je dis des vidéos, c'est malheureusement, j'aime pas dire ça, mais c'est la matière, donc les ovnis, tout ça, ça va commencer à apparaître. Et de toute façon, c'est un constat déjà, même certains plus grands chanteurs, je vais prendre un exemple, Soprano. Regardez la dernière musique dingue, allez sur France 4, allez sur Canal+, ils ont fait le dernier film l'Ufologie. Canal+, hein, je sais qu'il y a un autre... voilà, il y a une série qui s'appelle OVNI. Non, c'est pas ça. Non, mais voilà. Ça explique les premiers ufologues qui sont arrivés ici. Oui, et qu'en fait, gentiment dit, on les a employés pour aller sur place et un peu de faire taire. Ouais. Parce que la vérité n'était pas dite. Mais sinon, dans les... En fait, précisément, si vous, mais bon, on a encore le temps, ça sera lors de l'élection en France, en 2024. Ah, peut-être question. C'est l'année prochaine, l'élection, ouais, pas 2024. Hein. Alors la question, non, pas lui. Ah, ça me soulage. Pas lui. Pas lui. On dit que ça pas lui. C'est... Ce sera quelqu'un d'autre, mais contrairement, pourtant, moi j'ai fait un rêve. Contrairement d'un homme noir entouré de gens populaires. Donc ça de couleur noire ou des cheveux non, 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 habillé en noir. Habillé en noir, ah oui. Non. Alors, mais malheureusement, ah oui, c'est aussi une belle expérience d'oublier. Quand je suis allé au Louvre, j'avais fait quelques jours un rêve. Je suis dans une rue que je ne connais pas, je vois une arcade, comme une arcade en plus d'église, mais couleur rouge. Je suis au Louvre, c'était pour voir l'exposition de Toutankhamon. Je vais dans cette rue-là, la même arcade. Mais le souci, et là j'ai appris aussi pourquoi, parce que je peux avoir les réponses. La même arcade, le même homme. En fait, je voyais dans... Oui, j'ai oublié de préciser, dans mon rêve, je voyais un homme qui peignait et c'était rouge. Mais le souci, et ça m'a... Waouh, je me suis arrêté. Hein. Je lui ai même dit, il m'a pris pour un fou. Je m'en fous, j'étais à Paris. Personne ne me connaissait. Mais et je lui ai dit, mais je m'arrête. Mais le souci, il peignait, mais c'était en bleu. Et c'était quoi avant? C'était rouge. La même arcade, juste à côté de tout en... l'exposition bleu, Toutankhamon. Ah, mais tout, l'histoire de Toutankhamon, tu veux me poser... On fera ça une prochaine fois, mais mieux que ça. Ici. Mais l'histoire de... L'histoire des ancêtres. Mais ça, ce sera pour un prochain sujet. Si tout en Camon, bien sûr. Des espèces venues. Mais bien sûr, c'est très facile. Mais oui. Ça c'est m'a... vrai que les... Ah, mais maintenant, je peux en parler facilement. Attention, hein, il y a ici 8 ans, même être dans le noir, j'avais peur. Ce que je ne voyais pas, j'avais peur. Parce que je savais, il y avait... Et même, contrairement à ce qu'on pense, toutes les maisons, j'en ai visité des maisons les plus pires au monde. Avec l'ombre noire, il y a une vidéo qui a fait... succès sur internet, c'était au Mexique je pense, on voit cette ombre noire qui ramasse cet homme qui le fait traîner, mais moi je suis allé dans une maison qu'il a vu cette ombre là, la noire, mais encore une fois, et ça c'est rassurant à savoir. Moi j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vu une ombre noire qui a fait bouger les objets, et moi-même j'ai vu un truc mettre en route un sèche-cheveux, et c'était... Oui mais ça c'est, je t'avais déjà dit, voilà. Il y a certains portes cachées qu'il faut un peu ouvrir pour se sentir... Parce qu'encore une fois, on est dans une épreuve terrible. C'est une boule noire, c'est comme un orbe noir, mais assez difficile comme ça. C'est... Mais on... mais, tu vois, tu me poses des questions, mais ça serait chouette un peu le... Parce que... Mais ça, on en avait discuté la première fois qu'on s'est vu. Parce que tu... Et bizarrement, ça, tu m'as un peu... Il y avait certaines portes que tu as voulu fermer sur ton passé, mais malheureusement,
quand on est conscient, en bonne santé. Et c'est le rôle, parce qu'on est totalement dans un... On n'est pas dans une matrice comme on pense, c'est bien plus... Mais non, rassurez-vous, il n'y a pas de tout ça.